Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer la quatrième étape du secret de 10 machines Cold War Zombie. Alors si vous ne connaissez pas les précédentes étapes, j'ai créé une playlist en description avec tous les tutos de 10 machines, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors pour réaliser la quatrième étape, vous allez devoir amener deux zombies élémentaires coupés en deux en plein milieu de la station médicale sur le cercle bleu qui sera dessiné par terre. Alors il faut absolument que ce soit la moitié gauche et la moitié droite qui passent en plein sur le cercle bleu dessiné par terre. Si vous avez deux moitiés droites, ça ne fonctionnera pas. Alors ce que vous pouvez faire, c'est amener un mégaton à cet endroit-là, ensuite le tuer, comme ça vous avez le morceau de gauche et le morceau de droite directement dans cette pièce. Et ensuite, vous essayez de faire passer les deux morceaux sur le cercle bleu. Quand vous aurez réussi, les deux morceaux se feront avaler par la machine juste au-dessus. À ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est de bien vous stuffer. Donc améliorez bien vos armes, équipez-vous de vos atouts, achetez des armures, etc., etc. Quand vous êtes prêt, il faut que tous les joueurs aillent devant l'ordinateur et ensuite vous appuyez sur carré. À ce moment-là, vous allez être enfermé dans la pièce et vous allez devoir attendre que le mégaton sorte de sa zone de confinement. Dès qu'il sera sorti, les portes s'ouvriront. Et là, ce que je vous conseille, c'est de directement aller au site du crash parce que vous allez avoir blindé de mégatons et blindé de zombies. Donc pour survivre, cet endroit est très très bien. Quand vous avez réussi à tuer tout le monde, essayez de garder un zombie. Ensuite, l'étape finale va arriver. Alors avant de faire cette étape, il faut absolument que vous soyez tous bien stuff. Donc si vous ne vous sentez pas assez prêt, n'hésitez pas à faire quelques manches supplémentaires pour gagner plus de points. Alors ce que je vous conseille, mais ça dépend la manche où vous allez y aller, ce que je vous conseille, c'est quand même d'avoir une arme améliorée niveau 3 et d'avoir au moins Masto, Quick Revive, rechargement rapide et courir vite. Si vous pouvez avoir les 6 atouts, c'est encore mieux. Et bien entendu, essayez d'avoir des singes et d'avoir plusieurs armes spéciales. Quand vous êtes prêt, rentrez dans l'éther noir et dirigez-vous vers l'avant-poste d'Omega, donc dans la maison près du spawn. À cet endroit-là, il y aura une anomalie et là, vous allez devoir interagir avec cette anomalie pour faire apparaître un fantôme qui va regarder sa photo. Quand le fantôme aura disparu, vous devrez récupérer la photo de famille Orlov. Et ensuite, vous serez téléporté directement à l'accélérateur de particules et là commencera le combat final. Voilà qui termine la quatrième étape du secret 10 machines. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulu mec et ciao. Peace. Dumb, 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 dumb